Attends, son testament. Attends, le testament, c'est la deuxième mission. C'est là. Avec l'idole d'or de Xenopolis, tu sauras quoi en faire. I will are right. Ouais, mais du coup, c'est pas le testament de. Ça, c'est le testament de qui? De Sébastien. C'est le testament de Sébastien. Cloudley. C'est-à-dire que Sébastien Cloudley, mais ensuite. En fait, ça, c'est tout ce qui s'est passé depuis le début, en fait. Mais ensuite. David Gourand, sur les ordres de Edmund Cloudley. A volé l'idole. Et accidentellement. Quoi? Accidentellement? Attendez, bah, William Wright. Donc, du coup. En fait, ce qui est embête, c'est tout ce qui est confrérie, ordre et tout. Je comprends rien. Ces trois-là, je les confonds, donc du coup, ça me niquait un peu, quoi. Si en plus, comment... Willard Wright, on sait pas trop ce que c'est, quoi. C'est un peu un mec random. En fait, eux deux, ils sont potes. Ça c'est bon. On est pas mal. Ah mais du coup je gêne le texte aussi. Putain mais en fait je gêne partout. Bon c'est pas grave. Tant pis. En fait limite faudrait que j'enlève la cam. Hop. Voilà. Là limite comme ça ce sera mieux. Sébastien Cloudley a laissé l'idole à la confrérie dans son testament, mais ensuite David Gourand sur les ordres de Edmund Cloudley a volé l'idole et a accidentellement poignardé William Wright. Il a chargé Walter Keane de punir peut-être Edmund Cloudley du coup plutôt. Voilà. Donc là on est bon. Et ça va bien. Durant une tentative. Il y a quelqu'un qui est capturé. Ouais, c'est peut-être la scène qu'on voit là. Durant une tentative, du coup, Walter Keane a été capturé et Edmund Cloudley. Non. Lazarus Hearst a coûté de rejoindre son camp.
Edmund Crudley a utilisé l'idole pour rajeunir et infiltrer l'ordre. C'est une nouvelle entité de. C'est plutôt là, le service Erst. C'est peut-être pas Edmund Crudley du coup qu'il l'a capturé. Il s'est fait mis être le griffon réincarné et a transformé la confrérie en le parti de l'ordre. C'était David Goran du coup qui l'a. Ah. Ou Edmund Crudley. Du coup il y a un mot qui est pas bon. Donc le parti, l'ordre, la confrérie. Alors les maîtres de la confrérie. Alistair Koch. Et ça on l'a vu, c'est lui je crois qu'il l'a. Alistair Koch et James Turner du coup. James Turner ont aidé Lazarus Erst. À ce point de vue-là, faire respecter la règle des vertus en prenant la genèse ordinaire pour la donner aux membres de le parti de l'ordre. Juste avant la confrontation finale avec le roi non impératif. Chose. Je suis en train de confondre tous les noms là, c'est terrible. Juste avant la confrontation finale avec le roi non coopératif. Oh, attends, faut juste que je me souvienne de ça. Clint tué David Goran. Donc à la fin, ouais, Lazarus Erst il est mort. Et David Goran aussi. Et non, oui si. Ok. Ouais, c'est ça. Peter Battley. Vous voulez enlever Mary Battley. Donc c'est... On l'appelle comment? On l'appelle Lazarus Erst. Et par Peter Etley. Et l'idole a été brisée. Voilà. Là, on a fini.